projet de la grande cantine, en fait, a été assez rapidement abordé autour de la question de manger à La Défense, qui est une situation un peu particulière, à savoir que beaucoup de gens décident de manger dans l'espace public lors des beaux jours ou dès qu'il y a du soleil. Et on a essayé de traiter la question des beaux espaces à même La Défense qui permettent d'accueillir le moment du déjeuner. Donc assez rapidement, on a trouvé un certain nombre d'endroits qui à la fois étaient déjà utilisés pour manger et à la fois qui auraient pu être améliorés. Donc c'est le cas ici des marches Takis qui sont derrière, qui est un des très beaux endroits de La Défense et dans lequel on a souhaité améliorer l'ergonomie à un moment du déjeuner qui pouvait être développé, amélioré et accueilli. La grande cantine, c'est un projet assez simple autour de tables dont les formes sont extrêmement simplifiées. Et la grande idée du projet, c'est un moment de refabriquer un moment de convivialité sur le déjeuner autour d'un objet qui accueille un face-à-face, comme une table à la maison, tout d'un coup, mais qui se fait dans un endroit un peu inattendu, à savoir sur les marches, à côté de la fontaine Takis. Le design de la table, c'est un peu une idée simple ou un peu marrante, qui est celle de venir se greffer à même les marches. La table est comme un dahu qui vient se mettre en quinconce sur des marches et qui permet d'accueillir, là où on ne s'y attendait pas, un espace où on peut manger face à face. Une des idées fortes du projet, c'est de dire qu'avec un objet très simple, et effectivement c'est juste une table avec trois planches de bois, on peut améliorer l'espace public avec des objets légers, dans des matérialités assez légères, ici le bois, et tout d'un coup offrir un confort qui n'était pas là sur le site, dans des endroits qui sont étonnants, comme cette partie de La Défense où les gens viennent déjà manger, et à qui on offre tout d'un coup un petit confort en plus qui est de manger ensemble, manger en face, sur une belle table et agréable. Le projet, du fait de son matériau, prend un peu le contre-pied de l'aménagement existant, qui est l'aménagement de la dalle, qui est extrêmement minéral. Et l'enjeu, c'est de tout d'un coup ramener des matériaux qui peuvent être plutôt venir du domestique ou de la maison, et de jouer avec eux l'idée qu'on est tout d'un coup dans un espace plus convivial, qui n'est pas forcément en pierre ou en métal, mais qui ramène des objets ou du mobilier assez simple. Donc on est assez curieux globalement de ce qui peut se passer et ce que l'étape pourrait générer comme nouveaux usages sur l'esplanade.